Hello tout le monde et bienvenue à Marseille pour ce Community Day K-Minus et on commence tout de suite puisqu'il est 11h03, je suis un petit peu en retard, on est là entre amis, vous allez voir, il y a Galius, Pyrux et Reco Master qui sont là. On va passer un Community Day très sympathique tous ensemble et on va rencontrer ce premier K-Minus qui n'est pas shiny, mais on va sans plus attendre checker le prochain histoire de trouver le premier le plus vite possible. Ah bah voilà, dès le deuxième K-Minus, on a le shiny, on n'attend pas ici, voilà, la chance toujours aussi. Bien, je suis fan de toi Harry. Toujours aussi présente en Community Day avec Galius qui est là et Hello et il est là putain. Et ouais, ah, deuxième. Sympa. J'attends le Community Day où je vais avoir mon shiny dès la première rencontre. Ah. La deuxième quand même. C'est pas mal. Moi voilà, j'ai eu Terral en première rencontre. C'est pas mal. Hein. Pas mal ouais. Terral un Pokémon que j'aime beaucoup. Ah, ouais. T'en as eu un ou pas là pour l'instant? Non, genre 4 mois c'est le début hein, pour l'instant. Donc, là début, ça commence à être un petit peu. Pas grand chose. Un petit peu exigeant hein, si je demande d'en avoir dès le premier. On va y aller à la Frambie Doré, même si on sait que ça rentre sans trop de problèmes. On arrivait pas hyper en avance. On est arrivé à l'heure. Oui, mais pas prêt. Enfin, pour moi, pas prêt. Oui. On va capturer ce K-Minus. C'est le premier shiny et ça annonce peut-être une belle série aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire un doublé en seulement 10? Et non, en 10 K-Minus, ça n'est pas le cas. Ton premier shiny? Mon premier. Ah, bravo. Au bout du 9e. C'est que non, donc t'es deuxième pour l'instant? Je suis deuxième. Ouais, quoi, ça donne quoi? Eh ben écoute, on regarde. Il est bien bleu. Il est bleu, hein, exactement. Ouais. Et Luca pour toi? Rien du tout, rien du tout. On attend encore le premier. Ouais. Luca, tu peux nous expliquer ce qui est en train de t'arriver là pour tes œufs là? Bon, ça, c'est un McBee là, mais tu viens de drop quoi dans les œufs 7 km là, tu peux nous dire? Dans l'ordre? C'était quoi de l'ordre? Gouinfrex. Gouinfrex. Il y a deux œufs. Baby Manta. Gouinfrex. Coup sur coup. Tu m'énerves. Rose bouton. Rose bouton, bon, ça c'est un petit bonus. Et là, attention, dernier. Parce que McBee en tu m'énerves, je te jure. Là, Baby Manta encore. Ah non, c'est bon. Mélo, c'est pas exactement pareil. Mais bon, ça va, on est bien. C'est un petit événement à 11h50 puisque Arnaud, enfin Galus, tu viens d'avoir ton on voit rien. Mais tu viens d'avoir ton deuxième K-Minus Shiny et t'es le premier du groupe à avoir deux K-Minus Shiny pour l'instant. C'est allez l'OM. C'est vraiment triste hein, parce que franchement 11h50, oui. Le seul à en avoir deux et je crois que Raikou t'en as toujours pas eu je crois. À zéro hein. Là on est à zéro. Toujours à zéro à 50 minutes. À la 50e minute de jeu, toujours pas ouvert le score. K-Minus Shiny contre qu'est-ce que c'est triste. On va aller faire le raid de Raichu là je pense. Oui, on va faire le raid de Raichu. C'est parti. On est 18 pour ce pauvre Raichu. Il a pas compris ce qui lui arrive. Oh, il y a du Groudon. Il y a des pokémons que j'ai pas là. Ah oui, ça me dérange. Ça me dérange cette histoire. Oh, mais on est pas carrément. Tu veux pas faire un attaque spéciale? J'ai mis une majouille. Voilà. J'ai même pas eu le temps de lancer mon attaque. Il a rien demandé. Il se fait complètement bully. 1256. C'est quoi le. 1296. Waouh. Alors, regarde, c'est le niveau d'amitié qui monte. Une pierre de coup. Super bon. Une pierre rapide. Ok, j'aurais pas fait de charger, mais c'est bien. 1200, il doit pas être mauvais. 1200, t'as dit quoi? Et en ball, on est bien finalement, mais oui, voilà, beaucoup. 1296, il peut être 13 balls, attention, il peut être shiny. Attention. Est-ce qu'on check tout ça en même temps? Allons-y. Allez. Non. Non. Non, oh là là. Non. C'est. Quelle déception. Personne là-bas non plus. C'est un échec, personne de Raichu shiny en tout cas pour l'instant. Oui, donc, ouais, non, personne, personne de là. Ça fait combien du coup? Mais de 4. Ah, tu fais comme passe partout. Ouais, c'est ça. Quatrième K-Minus pendant que j'attends encore pour le deuxième. Hein. Il est midi 18. Je te laisse les checker là. Non, ce duo, je crois que les deux à gauche, je les ai déjà checkés. Ah. Est-ce que j'ai le deuxième? Non. Il fuit le, au pire, on s'en fout. J'ai déjà capturé assez, je pense. Et celui-là? Et lui, on va tester, attention. Oh non, pas chance, visiblement. Que sur mon jeu. Est-ce que tu es prêt à avoir de la merde? Et oui, des œufs 5, on va s'éclater avec une ouverture nulle. Et voilà. Attends, je te porte chance. Tu peux avoir un crado pot. Ah, comme je veux pour un 9-5, il y a pire que pomme des piques, franchement, il y a surtout pire. Tiens, Machoc, ça me plairait beaucoup. Oh, 26 bonbons. Tu peux avoir autant pour Machoc, ça me plairait. Tu l'as pas marqué? Ça peut pas cogner. Si, j'ai un Maconeur chanceux à 100%. Ah bravo, un Loupio. Ah pour un Loupio, bah super, merci. C'est sympa. Heureusement que tu veux me porter chance, super, je suis très vraiment déçu. Vraiment sympa hein, cette on a des bonbons doublés en ce moment sur les éclosions. C'est l'occasion de faire un carton peut-être sur 4000, j'en ai rien à foutre. Ah, très divertissant cette éclosion. Hein. Tout ce qui sert à rien. Embrasse-moi, grand fou. Ah, encore un 9, encore un 9-5, évidemment. Hein. Encore deux. Oui, bah bien sûr, sinon on s'amuserait pas tant. Hein. Un 9 nul. Ah, oui, bah là, clairement, comme des petits fous. Hein. Oh et... putain, ah, bah non, mais c'est un ouais, petit. Ouais, ça te plaît, toi, t'as pas encore un petit Whisky Crab, oui, tu l'as déjà, mais en 96. Oh, c'est cool, oh là là, on se marre. Oh, 42 bonbons, Whisky Crab, c'est pas mal. Plus intéressant que les K-Minus qui Miraco, sont pas présents. Miraco, c'est Crack Noir. L'homme des œufs, l'homme chanceux. C'est Crack Noir, c'est avec côté, attention. Miraco, et tu m'offres une pizza.
Voilà. Oh, ce call. Quel call. Exactement, bien vu. 35 bons, merci, hein, c'est gentil. J'apprécie beaucoup. Attends, j'ai peut-être un autre qui va éclairer après, non? Ah non, il va falloir attendre un peu. Ah non, il faut que je fasse encore 200 mètres pour avoir les deux autres. Ah, attention, un nouvel off 10. Embrilex. Ah non, non, tu colles Embrilex. Franchement, Embrilex, je prends carrément et. Rapion. En vrai, ça me va parce que. Rapion en 9-10. Ça fait des bons. Bah oui, Rapion. 64 bonbons Rapion. C'est plutôt correct, j'ai toujours pas de rascore. Et là, je suis à 94 bonbons. C'est pas mal. Qu'est-ce que tu nous annonces là, Virox? Ah, ça c'est craque-moi. Ah, il serait peut-être temps, hein. Oh. Eh non, le Barpo, tiens, en parlant de Barpo, samedi prochain, on aura des quêtes, pas des quêtes spéciales, non, des quêtes, comment ça s'appelle? Études de terrain, oui, études de terrain spéciales, oui. Non, limitées, ouais, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, où on pourra avoir des Barpo shiny. Je sais pas exactement comment ça va marcher, ça va être des quêtes, je sais pas ce qu'on va nous demander. C'est ça, mais en tout cas, on pourra capturer des barpeaux dedans, ils pourront être shiny. Je pense que les chances seront assez élevées vu que ça sera dans des quêtes. Ouais, déjà ça. Et je pense que ça va faire capturer tant de Pokémon, tu sais, pour que ça puisse s'enchaîner. Tu vois ou pas? Ouais, pour pouvoir les faire rapidement, ouais, ce sera plutôt logique et ce sera pendant 3h, de 11h à 14h, un petit peu comme pour les Community Day. Ouais, c'est ça. Arnaud, c'est l'alerte rouge. Il y a un Eoko sauvage apparemment. Moi, je le vois pas dans mon radar. Non, parce qu'en fait, il était dans mon ensemble. Un truc. Non, il est dans ce... il est là. C'est lui que je vois là. Oui, il est là. Ah oui. Effectivement. C'est la première fois que j'en vois un sauvage, un Eoko. J'en ai eu deux dans les œufs jusqu'ici, deux ou trois, je sais plus exactement. Mais je me suis rendu doré histoire d'eux. C'est une belle rencontre ça. Bon, toujours pas de Corillon. Qui a eu Corillon ici pour l'instant? Moi, deux. Deux Corillons. T'as les œufs pour toi, c'est. Deux Corillons, c'est n'importe quoi, vraiment. Deux Corillons. Ah bon, Baby Manta, 10 rose boutons. Voilà. Toi t'as quoi? 10 roses boutons? Mais attends, Attends, tu fais éclore des œufs comme n'importe quoi! Ah, comme une bitch. T'inquiète. Ah, mais. Vous dites ça en Suisse ou c'est toi uniquement? Juste moi. D'accord, ça me rassure. Pourquoi je. Ah non, c'est bon. Okay. Oh, le deuxième! Midi 39! Non! Il aura fallu attendre. Là, putain, impossible! Midi 39, deuxième! Le temps additionnel de la première mi-temps là! Incroyable! Oh, sérieux, midi! Incroyable! T'es à zéro, hein? T'es encore à zéro! Zéro, toujours! Toujours zéro, hein! Et voilà! Niveau de, jeu, il se passe ton rien. Niveau de somme de 0 à Belgique, t'en es comment à peu près? Là, je suis à Pays-Bas là! Dans le doute, on va y aller à la Frambi dorée sur ce K-Minus, parce que pour le peu de shiny qu'on trouve à seulement 2, clairement, je pense que pour moi, c'est le pire Community Day ever. Et quand je vois le peu de shiny pour l'ensemble des autres, je pense que c'est. C'est quoi le compte là? Un peu comme ça pour tout le monde. 2, 4, 4. Donc il veut dire 0 en français. Et le troisième, Kaminus Shiny. Et Mathias qui. Oui, Mathias. Midi 48, 1h48. Après 1h48 de Community Day, un Shiny. Le 748. C'est la première fois que ça t'arrive ça? Oui. Et là, je ressens des sentiments assez complexes. Profonds envers ce. Et assez partagés. Des Frambi dorées. Oh, le beau contre-jour ici. Ah, c'est le problème, hein. Ouais. Je viens à Marseille, il fait froid et il y a du soleil. C'est vraiment pas pratique ton histoire, hein. Arnaud, je te le dis, clairement c'est pas pratique. Il est capturé, et voilà. Et c'est rentré, magnifique. Ah, oui, hein. Vous vous sentez comment après ce genre de performance? Je me sens un petit peu ému. Monsieur Master C'est-à-dire Monsieur Master. C'est-à-dire que là... Je vais te permettre de dire ça, parce que télévision, hein... Haricot télévision. Je sais ce que tu dis en message, hein. Je sais comment tu m'appelles en message avec Alius. Non, non, hein. C'était jamais je le ferai. Ouais. Là, ça a été fait. Tu ressens le besoin de te justifier. Attends, peut-être un back-to-back pour les chemistes. Non, dommage. Un petit œuf de, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose. Là-dedans, il reste plus que 5 minutes. J'en suis à 5 Kaminus chez Eni, j'ai pas tout filmé. Un Magikarp, ça fait longtemps que j'ai pas eu un Magikarp dans un œuf, mais je suis toujours friand des bonbons Magikarp. Et ici j'en récupère bon que 16, c'est pas énorme. Et un œuf 10 derrière, ça par contre ça risque d'être pas mal. Au final, bon, c'est un community day, mais je m'occupe plus des œufs parce que c'est vrai qu'on a la distance divisée par 4 avec les œufs qu'on met à incuber pendant la fenêtre de ce community day. On récupère beaucoup de poussière. Bah oui, j'ai un morceau étoile, c'est un Porygon, bon c'est pas incroyable. Par contre, cet œuf 7 km qui arrive sur la fin, va falloir que je mette à incuber du coup juste après pour profiter du bonus. Un mélo. Ah, j'attends toujours le Corillon, hein. J'aimerais bien l'avoir, le Corillon. Je ne l'ai pas encore dans le Pokédex. On va checker les K-Minus. Plus que 4 minutes. On va pas les capturer. On va juste checker et capturer que si c'est shiny, évidemment. Là, juste celui qui est à droite. Non, c'est encore celui qui est à droite. On va essayer de choper celui qui est à gauche, mais ils sont vraiment collés. C'est un peu relou. Voilà. Non, il n'est pas shiny non plus celui-là. Il reste plus que. Ouais, même pas 2 minutes et c'est révélateur. Hein. Ce qu'on voit sur mon écran, c'est que. La proportion de Kaminus par rapport aux autres Pokémon, elle est extrêmement faible et je crois que j'ai jamais vu ça pendant un Community Day.
Allez, peut-être une des toutes dernières chances. Non, 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 ce K-Minus 133 n'est pas shiny. J'attends le sixième, hein, mais là, ça me paraît compliqué quand même, vu le peu de temps qui reste, pour avoir les fameux deux de chaque espèce. K-Minus, ce serait le premier échec pour ça, d'ailleurs. Bon, après, K-Minus, c'est pas un Pokémon que j'ai spécialement dans mon cœur. Il n'y a rien de particulier avec ce Pokémon. Il n'est pas très fort. Il se fait complètement surclassé par Kyogre, Léviator. Il y en a peut-être même encore d'autres qui le surclassent. Tiens, un 9-5 qui va peut-être m'empêcher de checker les derniers Kaminus. C'est peut-être pas le bon moment pour ça. C'est un Malos qui n'est pas shiny. Bon, c'est pas fou. Ça fait des poussières. Alors, remarque, j'ai bien monté en poussière. Oui, j'ai fait 80 000 poussières. Avec l'événement là, c'est pas mal. Et surtout grâce aux œufs, je vois qu'il est 13h59 et je pense que si j'atteins pas les Pokémon. Non, il est 14h, il n'y aura pas d'autres 4 minutes. J'aurais pas eu le temps d'atteindre les deux Pokéstop un peu plus loin qui sont leurrés malheureusement. On va checker ce. Non, le Titon, je peux pas. Non, vu qu'il est 14h avec les météos, ça a foutu le bordel. On est rentré chez Galius après ce Community Day, après un repas fort... émouvant. Émouvant. C'est le mot, hein, émouvant. Délicieux. Voilà, on a un 9-7 qui va être là. Est-ce que t'as encore une prévision? Moi, je vais te dire, un vieux Non, c'est pas pour Alola. Mais non, mais j'aime bien Togepi. Je veux des bonbons Togepi pour monter mon Togekiss. 42 bonbons, c'est bon ça. Est-ce qu'il est bon? 342, vraiment. Non, il est naze, mais c'est pas important. Ce que je voulais voir, c'est tiens, on va mettre par ordre des Pokédex du coup. Ah, tiens, la reine bleue, on s'est fait prendre la reine, visiblement, puisque mon mentali est revenu. voilà pour l'info. Infotrafic, ça a l'air de t'intéresser. Prochaine, ça fait combien pour vous déjà? 6, 3, 3, ouais, 8. 8 ? Putain, mais c'est... Oh, pourtant, c'est peut-être pas... C'est pas si dingue que ça. On a vu les résultats sur Twitter un petit peu après de un peu tout le monde. Et c'est un Community Day qui a été... très mauvais. Particulièrement faible, en chaîne pour tout le monde, véritablement. Hein. Okay, je pense que les ouais, voilà, les pops de K-Minus, on les a trouvés faibles. Je pense que c'était un peu pareil pour tout le monde. Et à mon avis, ça a dû y jouer. C'était bon ? Bah, shiny. En shiny, non, j'ai pas de bon shiny malheureusement. Sur 5, c'est pas énorme pour en avoir un bon. Par contre, j'en ai deux nouveaux... c'est les deux premiers, je pense. Non, c'est le premier et le quatrième en non shiny. Ouais, les alligators, donc ça fait deux K-Minus shiny, un crocodile, deux alligators et plus deux alligators avec Hydroblast. On en reste donc là pour cette vidéo de Community Day. K-Minus à Marseille, au final, c'était plus une journée tous ensemble. Jusqu'à un événement Pokémon Go, mais voilà, c'était événement familial. Une super occasion de venir à Marseille. Un déjeuner, évidemment. Oui. Vous savez que ça me fait plaisir. Évidemment. Aïe. Écoutez, vous avez leur lien, bien sûr, à eux trois, qui sont en description, bien entendu, pour aller voir leur chaîne, les suivre partout. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si c'est pas déjà fait. Du coup, je vous dis rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Salut tout le monde.